The stellar online in my body. Are you trying to catch the stars? Many millennia have passed. Is this what Eurelo 6 has become? Well then, are you ready for your first trailblazing expedition since joining the crew? Let's get going! One of them is carrying a seed of ruin, which will bring about our end. Humans never conceal their desire to control the heavens. So why would I? Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Je vous ai commencé cette petite vidéo avec un petit trailer fait par du coup les équipes de WiiWare. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un petit peu mon avis. Est-ce que ce jeu vaut le coup d'y jouer? Faut-il y jouer, tout simplement? Et je me suis dit qu'une petite vidéo comme ça, face to face, où je vous parle un petit peu des différents contenus du jeu et vous explique à la fin un petit peu ma conclusion sur est-ce que ça vaut le coup d'y jouer, ça pouvait être sympatoche. Et en plus, tel un professionnel du game, je vous mets des petits trailers en fond. Bah, les gars, ça fait un an bientôt qu'on est sur la plateforme, je vais pas vous mentir qu'on a un peu bossé le sujet, quoi. En tout cas, déjà, mon avis sur Honkai Star Rail. Alors, j'ai pas non plus poncé la bêta fermée parce que je voulais quand même aussi me garder de la surprise lorsque le jeu sortira officiellement, donc dans 2 jours. Et je me suis dit, franchement, il met une petite claque quand même le jeu. En fait, il met une claque, mais en même temps, on devrait plus souvent avoir ce genre de jeu. Je vous avoue que les gachas derniers là qui sortent, c'est beaucoup de gachas à la waifu. Gros boobs, gros fiacos, enfin voilà, on commence à avoir l'habitude. Au final, à la fin, ça dégoûte, quoi. C'est toujours la même chose. C'est très dans la consommation, alors que vraiment là, Honkai Star Rail, on a quelque chose qui a été bossé. Alors déjà, graphiquement, vous pouvez le voir sur les trailers, même si c'est pas hyper représentatif du jeu. Même si vous avez vu mes vidéos sur le jeu Honkai, vous allez pouvoir un petit peu les graphismes qui sont vraiment super et qui reprend un peu les thèmes de Genshin et de Honkai Impact. Mais là, vraiment, en termes de graphisme, ils ont bossé le sujet à fond. Les chara-design des personnages, les compétences des personnages, les ultimes, enfin bref, ils ont vraiment bossé à fond les ballons. Et ça, ça fait plaisir et ça se voit. Donc déjà, rien que côté graphique, je vous conseille d'aller y jeter un œil parce que c'est vraiment pas mal. Ensuite, en termes de gameplay, j'ai pu tester du coup le jeu. On a pu tester un petit peu les systèmes de combat, l'exploration en open world entre guillemets, qui était pas mal. Discuter avec les différents PNJ in-game, les différents contenus, c'est-à-dire, je sais plus c'est quoi les noms exacts, mais les espèces d'exploration de failles, on pouvait farmer certains contenus dans le jeu. Enfin bref, en termes de gameplay et de contenu, on est vraiment servi. On aura pas mal de temps à fumer sur le jeu, rien qu'aussi que les quêtes secondaires. Franchement, il y a énormément de choses à faire. C'est comme de toute façon Genshin, c'est très axé, c'est full axé même PVE. C'est un jeu où on n'a pas forcément besoin de le poncer.
à moins que vous ayez le temps et l'envie de le faire. Mais c'est un jeu, voilà, on peut se connecter quotidiennement, jouer une heure, deux heures, trois heures par jour, découvrir l'univers du jeu, se plonger dedans, prendre le temps de comprendre et de jouer sur ce jeu qui est un jeu tour par tour, je le rappelle, hein, qui est ce mode de jeu tour par tour, c'est vraiment pas ce qui est le plus consommé pour les différents joueurs de cette terre. Souvent les gens sur les gachas aiment les gachas classiques. Il faut full invoke, un petit peu ce mode de stage où vous allez monter stage par stage et tout simplement avancer dans le jeu, un peu comme à Epic Seven un petit peu. C'est surtout ce genre de jeu là qui est préféré. Mais là, c'est un autre mode de jeu tour par tour. Et je le trouve vraiment travaillé. Et au-delà de ça, c'est pas un jeu tour par tour comme les autres. Vous le verrez hein, quand vous jouerez au jeu ou alors vous avez regardé mes vidéos. Il y a vraiment quelque chose de bien bossé derrière. Ensuite, pour ce qui est du modèle économique du jeu, c'est un modèle économique classique comme la Genshin. Si vous jouez au jeu, vous aurez de quoi invoquer et vous aurez de quoi invoquer tout simplement si vous jouez au jeu. C'est comme Genshin Impact finalement, hein. C'est un jeu où il faut voir un petit peu long terme, où il va falloir bien farmer les events qui vont sortir, bien poncer les quêtes histoires secondaires pour farmer de quoi invoquer. Donc pour moi, le modèle économique n'est pas choquant. Il reprend vraiment le système Genshin, même si le taux est très bas, hein, ça va être 0,6%. Même si il y a aussi les artefacts qui sont pris en compte, du coup on passe de 0,6 à 0,3. Mais bon, il y a une pitié à 90, sachant qu'au départ, ils vont vous donner quand même pas mal d'invocations et de jade stellaire. Donc il y aura de quoi, en tout cas, avoir vos personnages 5 étoiles. Alors peut-être pas les constelles, mais en tout cas... les choper. Donc voilà, le modèle économique ne me choque pas, même si c'est pas le meilleur du monde, hein, on va pas se mentir non plus là-dessus, mais ça reste ok tiers pour un jeu comme Honkai Star Rail. Je sais pas si vous avez fait attention lorsque vous avez testé peut-être la bêta ou alors vu des vidéos de la bêta, j'ai trouvé que les musiques / OST du jeu étaient vraiment magnifiques. Et franchement, ça fait plaisir parce que ça nous permet aussi de nous plonger un peu plus dans l'univers qui est Honkai Star Rail. Si on avait une musique et des OST dégueux, je vous avoue que les gars, souvent, ça fait énormément le travail, ce genre de contenu aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et j'ai pas envie de vous faire une vidéo non plus de 20 minutes où je vais répéter tout le temps la même chose. Mais pour moi, franchement, Honkai Star Rail, c'est un jeu, je pense même, l'un des meilleurs jeux de cette année 2023. Je pense qu'il y vaut le coup d'œil, même si vous n'êtes pas fan de ce mode de gameplay tour par tour. Je pense que vous pouvez aussi trouver votre place autre que dans ce mode de gameplay-là. Donc pour moi, oui, il vaut le coup. Est-ce que c'est un jeu où je vais y jouer tout le temps? Ça, je ne sais pas. Je pense tout quoi pendant un bon mois, voire deux mois, on va bien s'y plaire sur le jeu. Après, à voir si on y jouera un peu plus sur le long terme. Mais pour moi, c'est un jeu qui vaut le coup par tout ce que j'ai pu vous partager d'ores et déjà maintenant, par tout ce que vous avez pu déjà entendre sur d'autres vidéos YouTube. Donc voilà. Nous, en tout cas, on se retrouvera ce 26 avril à 4h du matin pour la sortie du jeu. On va pas mal jouer ce jour-là. Et puis voilà, on se retrouve là-bas. Si vous souhaitez suivre les contenus qui sortira sur la chaîne, n'hésitez pas à follow le YouTube et le Twitch. C'est plus particulièrement là que je serai disponible. Il y a aussi le serveur Discord où vous allez pouvoir être tenu au courant des nouveautés, des nouvelles vidéos. Si jamais vous ne checkez pas, vous n'avez pas mis la cloche. Et aussi le serveur Discord qui vous permettra de partager un petit peu votre parcours dans le jeu avec les autres joueurs faisant partie du Discord. Enfin, on peut partager votre contenu avec la communauté. Et puis c'est déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en dites. En tout cas, s'il y a encore quelqu'un qui a un doute sur le pourquoi du comment il aimerait jouer à Honkai, je vous invite à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour ce 26 avril, hein, messieurs dames.
pour jouer à Honkai Star Rail. Et en tout cas, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo si, je sais pas, dans un mois, le jeu vous a plu. Sinon, bah, pourquoi il ne vous a pas forcément plu et qu'est-ce qui vous a un petit peu pas plu, tout simplement. Et puis nous, on se dit à ce 26 avril à 4h du matin. Et n'hésitez pas à suivre les guides sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. C'était Loulou.